Très bien. Donc, toujours pareil, la jambe qui est prise, le bras à l'opposé qui tient au-dessus. Donc, on est vu, contrôle ici. Je vais avoir les autres contrôles ici, quand il est en haut, il me gêne. Deuxième version de l'aile de poulet, par-dessus ici, toujours au niveau du poignet. D'accord. Version 1, l'aile de poulet en bas, avec ma main à l'intérieur au milieu. Version 2, quand il est ici, il essaie de me repousser. Voilà, je viens par-dessus ici, sans ma main. Ma main, regardez, elle passe par-dessous. Là, sa tête, je ne veux pas le voir, donc toujours je mets en tension ici, ça permet d'écaler. Là, j'ai un petit ou des garamis ici qui passe. D'accord? Part comme ça ici, et en même temps, j'ai la clé, donc c'est bon. Autre version pour tenir, toujours mon pied perpendiculaire à lui, hein. Sinon je me fais renverser. D'accord? Un peu, si je suis collé à lui, il va me renverser. Non. Toujours ma jambe décalée tant que je n'ai pas le contrôle. Quand j'ai le contrôle, je peux ramener. Si je n'ai pas le contrôle, je cours ici perpendiculaire à lui. Donc, contrôle de l'épaule, contrôle ici avec mon épaule, pardon. Bon. Contrôle de la main avec l'épaule ici, toujours du jeu, contrôle avec l'épaule. Là, je défais toujours, je tourne le revers, on joue avec la propriété du textile. Ici, c'est plus dur, d'accord, ça va la serrer. Ensuite, je tends mon bras le plus loin possible, un bras qui donne à l'autre. Si, parce que des fois, un petit malin, il vient me tenir mon bras, tiens mon bras, et là, il bloque, il ne veut pas que je monte ici. Ça m'est arrivé souvent. Là, regardez, c'est pas compliqué. Je suis ici, j'arrive pas. Je tends mon bras. Regardez, il suit, ça monte tout seul. Ça va tout seul. Il est content. Hein. Ouais, je te tiens, tu m'en mettras pas. Ok, c'est pas grave. Voilà, j'y suis arrivé pareil. J'ai attrapé, j'ai tiré. Et ici, là, son bras, c'est bien fait. Il peut pas trop le descendre. Vas-y, il peut pas le descendre. Après, on retrouve les versions. Etc. On y va. D'accord, dégage mon jambe.